article 5, sont nommés vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Monsieur Molipe Mandongo Jean-Claude. Nommé lundi 12 avril 2021 par ordonnance présidentielle dans l'équipe du gouvernement Samalou Koundé Kiengé en qualité de vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Le professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo, loin d'être un novice au service de sa patrie, car ayant déjà assumé le poste du ministre national du budget entre 2006 et 2007. Le professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo s'est vu être aligné dans l'équipe du gouvernement des Warriors qui devra accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le gouvernement Samalou Koundé, dont les différents objectifs sont entre autres la pacification de l'Est et le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, surtout dans sa partie Est, qui longtemps étaient les champs de bataille, des affrontements de plusieurs groupes armés. Aussitôt investi par l'Assemblée nationale, le 26 avril 2021, place au travail pour mener à bien la vision du chef de l'État. C'est à 9h juste que le Wario Jean-Claude Molipe Mandongo est arrivé dans son cabinet de travail. À l'entrée, il reçoit les honneurs. Et s'installe dans son bureau pour imprégner les dossiers qui l'attendaient. Quelques moments après, il reçoit la délégation de la communauté islamique conduite par son secrétaire général, honorable Moussa Kalema, venu informer le numéro 2 de la territoriale sur la tenue de la célébration de fin du Ramadan prévue au stade des Martyrs. Vous vous souviendrez de l'incident malheureux qui a émaillé le stade des Martyrs lors de la cérémonie des clôtures des fins du Ramadan, où les deux franges islamiques se sont affrontées dans la matinée au lance-pierre et gaz lacrymogène après l'intervention de la police. Bilan à plusieurs policiers gravement blessés et un policier tué. Aussitôt informé de l'incident, les warriors actifs Jean-Claude Molipe Mandongo a été l'un des membres de la délégation du gouvernement qui s'est rendu au stade des Martyrs pour constater les dégâts. Constat fait, les cortèges du vice-ministre de l'Intérieur et d'autres membres du gouvernement, ainsi que plusieurs dirigeants de la police nationale congolaise, arrivent à Hachi Hospital, première rue du Médé, pour porter consolation, assistance et un message d'encouragement à particulier du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Infrastructure de la police nationale congolaise, le numéro 2 de la territoriale congolaise en charge de l'intérieur avait procédé le 15 mai 2021 à la pose de la première pierre, donnant ainsi les go des travaux de construction du centre sportif des judo de la police nationale congolaise, dont du Japon. Nous sommes les 20 mai, les warriors du gouvernement Samalou Koundé, à savoir le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et son vice-ministre Jean-Claude Molipe Mandongo, ont été présentés officiellement à la police nationale congolaise au cours de la cérémonie des prises d'armes tenue au quartier général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Cette cérémonie traditionnelle de la police nationale congolaise a été organisée par les commissaires généraux de la PNC, le général Amouli Baïko, du commissaire de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, ainsi que plusieurs autres officiers. La cérémonie a été caractérisée par les honneurs au drapeau et les passages des troupes en revue.
Samedi 22 mai, la communauté des ressortissants du Nord Ubangi, conduite par son président à la personne du docteur Bruno et son vice-président Denis Tukuzu, avait organisé une cérémonie de gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir nommé leur fils au poste du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières dans les gouvernements Samalou Kondé. Le professeur Dr Jean-Claude Molipe Mandongo avait eu un jeudi très chargé après la clôture de la télé sur la réforme de la police nationale congolaise à Béatrice Hôtel. L'infatigable warrior était attendu au cabinet par un groupe de chefs coutumiers. Aussitôt arrivé, le numéro 2 de la territoriale reçoit la délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, conduite par son président, honorable sénateur Mwami Mwenda Bantou Munongo. Ces derniers étaient venus présenter leurs préoccupations numéro 2 de l'affaire coutumière et apporter de la lumière sur quelques dossiers qui sont soumis à sa table. Une photo de famille avait suspendu l'audience. Perturbations et troubles avaient élu domicile dans la province du Kwilu entre le président de l'Assemblée provinciale et ses députés qui avaient provoqué la fermeture de l'hémicycle provincial. En harmonie avec son titulaire, Jean-Claude Molipe Mandongo avait pris la décision de la réouverture de l'Assemblée provinciale du Kwilu fermée illégalement depuis le 6 mai 2021 sur l'ordre du président déchu. Dans le registre de la sécurisation de l'État, les professeurs Dr Jean-Claude Molipe Mandongo avaient procédé à la clôture du forum sur les suivis et évaluations du plan d'action national 2018-2022 pour les contrôles et la gestion des armes légères et petits calibres en RDC à Béatrice Hôtel. Suivi du lancement des travaux de l'atelier des 3 jours au Pullman Hotel sur la prévention et la résolution de conflits liés au pastoralisme et à la transhumance transfrontalière dans l'espace de la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale le mercredi 23 juin 2021. Les warriors Jean-Claude Molipe Mandongo, toujours actif dans ses prérogatives, avait clôturé l'atelier des 3 jours sur les réformes de la police nationale congolaise 2020-2022. Parmi les résolutions adoptées, 23 priorités ont été identifiées par les participants de l'atelier, à savoir l'identification et l'élaboration du plan d'action opérationnel priorité 2021-2022, du plan d'action quinquennal des réformes de la PNC 2020-2024 et tant d'autres. En mode virtuel, le vice-ministre en charge de l'Intérieur, son Excellence Jean-Claude Molipe Mandongo, avait participé à la réunion du comité ministériel de l'organe MCO en sigle de la SADC, qui a été précédée par la réunion du haut fonctionnaire le 5 et 6 juillet 2021 dans la salle des réunions CHSD à Kinshasa. C'est dans ce cadre que le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, avait reçu dans son cabinet de travail à Toubi Brantley, sous-secrétaire adjoint du Bureau de contrôle international des stupéfiants et de l'application de la loi, un groupe du département américain qui travaille sur la lutte contre la corruption et la promotion de la justice. Et ces derniers étaient accompagnés de l'ambassadeur de JSA en RDC, Mike Hammer. Discordance entre les gouverneurs et les présidents de l'Assemblée provinciale du Maniema. Une situation difficile qui bloquait les fonctionnements dans cette province. Jean-Claude Molipe Mandongo apporte son savoir-faire pour soulager tant soit peu les ressortissants de la dite province et qui voulaient à tout prix la fermeture de l'Assemblée provinciale. À part son talent managérial, Maniema a trouvé son calme naturel et les bons fonctionnements des institutions.
De l'autre côté, dans l'ancienne province de l'Équateur, les climats étaient caractérisés par l'émotion des défiances contre les gouverneurs Bobo-Bolo Kobolungu. La sagesse a encore joué pour remettre de l'ordre dans cette juridiction. En séjour dans la capitale pour participer à un atelier sur les projets de développement, certains maires des différentes villes du pays étaient venus présenter leur civilité au vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires coutumières, professeur docteur Jean-Claude Molipé Mandongo, et lui faire part de la situation sécuritaire dans leurs villes respectives. État de siège, le vice-ministre numéro 2 de la territoriale suit de près l'applicabilité et la matérialisation effective de l'état de siège pour amener la paix durable et constamment informé de l'évolution de cette mesure par ses services, afin d'en adopter des stratégies pour pacifier cette partie de la République. Les vice-ministres assistent les conseils des ministres tenus à Goma et présidés par les garants du bon fonctionnement des institutions, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par visioconférence sur la crise humanitaire suite à l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le 17 juillet 2021, les vice-ministres avaient assisté à la clôture de l'atelier des 3 jours ayant pour objectif de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, la promotion et l'accompagnement des investisseurs locaux tels que souhaité par la vision de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de faire les millionnaires congolais Made in Congo, conduit par le gouvernement Samalou Kondé. Le vice-ministre Jacques-Claude Molipé Mandongo avait accordé l'audience à l'entrepreneur congolais Chabani Nonda, ancien joueur de Léopard de la RDC du groupe Chabani Nonda, porteur d'un projet de construction d'une académie sportive dans la commune de Lantzélé. L'investisseur congolais a sollicité la sécurisation du site par la police de proximité pour le bon déroulement des travaux et la matérialisation de ses grands projets auprès du numéro 2 de la territoriale. Le vice-ministre lui a rassuré de son implication personnelle quant à sa requête et l'encourage d'investir davantage dans son pays. Animé de patriotisme, les traces du travail qu'effectue le vice-ministre de l'Intérieur seront sans doute palpables dans la quête de la paix telle que voulue par plus d'un Congolais sous le leadership de Fatou Béton. De par son savoir-faire, le vice-ministre a été approché par l'ambassadeur indien M. Ram Karam Verman pour la matérialisation des projets d'investissement dans plusieurs domaines et plus particulièrement dans les domaines sécuritaires. Le vice-ministre et le professeur Dr Jean-Claude Molipé Mandongo a assisté à la cérémonie de clôture de la première année académique de l'école de guerre de Kinshasa, présidée par Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a remis les brevets aux 25 lauréats de cette institution. Cette première promotion de l'EGEC, baptisée Étienne Tshisekedi Wamulumba, a comme parrain les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, M. François Béya. Il s'est de rappeler que l'école de guerre de Kinshasa est une institution de haut niveau qui forme les officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise. Elle a vu les jours grâce à la volonté du président de la République avec le soutien des partenaires étrangers comme la France. Voilà les différentes actions de ces warriors du gouvernement Samalou Kondé, les vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, les professeurs Jean-Claude Molipé Mandongo, qui n'aménagent aucun effort pour accomplir sa vision.
Rappelons que le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, pasteur de son État, n'a pas dérobé à son statut pastoral du message du temps de la fin prêché par les prophètes de Dieu, William Marion Branham. Ces derniers a prêché le dimanche 1er août 2021. Le vice-ministre a prêché sur « Il devait passer par ici » à l'Assemblée chrétienne de Sangamamba que dirige le pasteur Jean-Pierre Ngobo. Une manière de clôturer ses 100 jours en bonté tel qu'il renseigne sa foi chrétienne. Dans les gouvernements des Warriors, pour une amélioration effective de la sécurité du territoire national et renforcer la sûreté de l'État tel que prôné par les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonne continuation de travail à son Excellence Jacques-Dominique Molipe Mandongo et que votre expertise et sagesse profitent à la République.